Bonjour mesdames et messieurs et les abonnés, c'est Monsieur Loki. Et là maintenant vous êtes en train de regarder la cinquième partie du troisième épisode. Donc voilà. Donc tout de suite je vais le noter sur mon petit papier pour voilà pour pas me perdre, pardon, et pour pas m'emmêler les pinceaux, voilà. Et après, très certainement, voilà, il y aura vu l'ambiance qu'il y a. Ben voilà, il y aura sûrement, très certainement, une sixième partie, une septième, une huitième, une dixième, voilà. Et ainsi de suite, voilà. Donc, tout de suite, voilà, je vais mettre mon micro pour écouter notre cher ami Jamel, qui fait que me buter depuis tout à l'heure, et notre cher ami Noah aussi, qui fait que me buter depuis tout à l'heure. Donc, c'est parti, voilà. Allô, 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 wesh les négros. Wesh les jeunes. Ah putain, il a les flics en plus, le con. Oh le con. Attends, attends. Wouh, motherfucker, motherfucker, fuck, 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 fuck. Laisse-moi faire, moi je suis le transporteur, tu vois. Moi je suis Jason Statham, moi. Encore plus fort que dans Fast and Furious, hein, tu vois. Tu vois, ça c'est ma Audi, hein. Ma Audi tout terrain, tu vois. Ah, il s'est suicidé, Noah. Ah, ah putain. On a 5 étoiles. Ah putain, mais j'avais pas remarqué, je pensais que t'avais juste 2 ou 3 étoiles. Hein. Non, il a 5 étoiles. Hein. Ah, mais tu fais comment, mec, pour avoir 5 étoiles, hein. Je sais pas comment tu fais. Ah mais moi quand je fous le bordel j'ai à peine 3 étoiles et des fois 4 ça peut arriver mais 5 étoiles je sais pas comment tu fais mec. Mais moi j'ai des fois je les ai même pas moi. Ah mais je peux pas venir mec parce que on est chez la débauchie rapide GT et il y a que 2 places et là on est à l'aéroport parce qu'on doit semer les flics et Jamel il a 5 étoiles. Le mec il m'a donné 5 étoiles, il est gentil hein. Donc viens nous rejoindre mec. On est à l'aéroport international. Nous on est à l'aéroport international, donc viens nous rejoindre, on va prendre un avion pour pouvoir semer ces connards de flics qui ont la dalle. Hein, ce sont des kamikazes. Youpi! 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 Attends, il n'y avait pas un avion de voltige? Non, mais c'est bon, on peut monter à Cannes dedans. Ah, mais de qui est con, on a le... Oh, mais il est con, on a le... on a le jet, il est hyper rapide, le jet. Ah, putain, mais qui est con qu'on est, hein. Mais qui est con, hein. Quoi? En fait, je comprends pas ce que tu dis, hein. Alors déjà, on sème les flics déjà parce que c'est pas gagné. Vas-y, monte, 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 monte. Monte. Oh putain, c'était chaud parce que je pensais qu'on allait exploser en plus. Putain, quel magnifique coucher de soleil là. L'horizon qui est rose, tu vois, c'est magnifique. En plus, Los Santos qui est tout illuminé, là, c'est juste magnifique, tu vois, magnifique. Ouais. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Eh ben, je comprends pas. Ouais. Et ouais. Ah. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que là déjà depuis tout à l'heure on est dans la ville. Je sais pas où on pourrait aller. Vas-y, donne-moi une idée, vas-y. Tu veux qu'on aille où? Mais non, t'inquiète, ça va, on est plus rapide que l'hélico quand même, on a un jet. C'est un jet privé de luxe, donc ça va.
Ah bah si, tu veux aller où? Dis-moi, tu veux aller où? À l'aéroport Trevor? Tu veux aller à Paleto Bay? Tu veux aller à l'endroit où il y a le gros chantier avec les gros camions qui font 50 mètres de haut? Où tu veux, dis-moi. Paleto Bay, bah c'est parti. Ah bah tu m'as mis un point en plus. Ah bon, ben Noah, là, si tu nous entends bien, là on va à Paleto Bay avec le jet, et Sheikh Jamal, donc si tu peux essayer de prendre un avion et de nous rejoindre, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais qui est con, mais c'est Paleto Bay qu'on voit au loin là-bas, là déjà. Non, c'est pas Paleto Bay. Ah non, non, c'est pas Paleto Bay, je pensais. Ah non, c'est l'endroit où il y a toutes les caravanes où il habite Trevor. Attends, ça s'appelle comment l'endroit où il habite Trevor? Parce que ça. Non. Hein. Non, pas le désert. Sandy Shore, voilà, c'est Sandy Shore. Hein. Faut que je mémorise les noms, c'est Sandy Shore. Ouais, mais en fait, j'ai remarqué ça aussi que quand je rentre dans n'importe quel véhicule, ah ben, mon masque, j'ai l'impression qu'il est rétréci, comme si on m'avait rétréci le crâne. Ouais, c'est vrai, je trouve qu'il fait plus petit. Hein. C'est bizarre, j'ai pas compris le truc. Ah ben putain, mec, comme la dernière fois, j'étais arrivé à me poser avec le jet, c'était avec le jet que j'étais arrivé à me poser. Mais non, mais n'importe quoi, c'était avec le cargo, hein. C'était avec non, le Titan, hein. C'était avec le gros avion de guerre. Hein. Mais non, mais arrête tes conneries, Mino. Ne dis pas n'importe quoi, tu vas pas crever. En même temps, tu peux plus crever parce que tu viens de sauter de l'avion, donc tu peux plus crever maintenant. C'est sûr. Non, mais la dernière fois, quand je l'ai fait pour la première fois, c'était avec le jet et on s'en était bien sorti quand même. Donc, bah bien sûr, il n'y a pas d'un peu, c'est qu'on s'était bien très très bien sorti, tu vois. Donc si. Oh putain, j'ai failli prendre un arbre. Hein. C'est parti, mon kiki. Oh là 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 là, je suis un vrai pilote, moi. Oh là là. Oh, il a pris la pelleteuse, là. Bon, je vais essayer de me poser, ça va être chaud, mais on s'en bat les couilles. Comme dit Caris, on m'en bat les couilles, frère. Voilà. Bon, ça va être chaud, mais voilà. Non, ah oh, putain. Je suis arrivé, je me suis posé sur la route. Et je suis l'un des meilleurs. Et voilà, j'ai rien à dire. Voilà. Je me suis posé. Rien à signaler. Donc là, je vais appeler mon mécano et je vais. Ah ben non, que quand? Je vais appeler ma rapide GT. Demander véhicule personnel. Mutuelle mort, motherfucker. Ne m'écrasez pas, ne m'écrasez pas. Voilà. Faites pas les salopes, hein, les PNJ, hein, parce que c'est vrai que vous êtes quand même des salopes, mais voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, ben, moi j'arrive. Ah bah oui, ça va, c'est chez ça.
Ah, t'as trouvé le camion avec le plateau, c'est ça? En mieux avant, ben j'arrive alors si c'est en mieux. Regarde, Attends. il est devant moi, là. Mon camion, là. Ton Est-ce qu'on peut monter à deux dedans, hein? camion, là. Il est beau, ton camion, non? Attends, je regarde ce qu'on peut encore. Oh, Attends. Vas-y, est-ce que je peux mettre. Attends, je voulais mettre dans la benne. Hein. Dans la. Je sais plus comment on appelle ça là, je me rappelle plus le nom. Hein. Ah putain, j'ai. Oh, non, vas-y, reste en l'air. Au moins, je me mets accroupi, tu vois, en mode furtif. Hein. Attends, vas-y, attends. Je me remets. Vas-y, monte-le doucement. Hein. Mais non, mais. Putain, il est con. Ma voiture! Là, c'est un mécanophile, le mec. Le con. Mais non! Attends, deux secondes. Deux secondes! Si tu veux. L'enfoiré. Ah putain, c'est vrai, il y avait un joueur qui m'avait envoyé mon merde. Deux secondes. Donc, mesdames et messieurs et les abonnés, donc là, tout de suite, c'est la fin de cette cinquième partie du troisième épisode. Donc là, tout de suite, on va se retrouver pour la sixième partie du troisième épisode. Voilà. Donc, voilà, comme vous le voyez, ben, on est toujours avec Jamel et Noah. Et là, maintenant, on est là depuis presque peut-être une demi-heure à Palais Tobey. Et voilà, on est un peu aux quatre recoins de la map. Donc, tout de suite, on se retrouve pour la sixième partie du troisième épisode. Donc, à toutes les jeunes.